Hey, salut tout le monde, c'est Légophone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vous ferai la présentation du mock 48x48 que vous avez devant vous, qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de pièces. Et je le trouve assez bien, mais en même temps, si j'avais eu toutes les pièces que je voulais, j'aurais pu faire quelque chose de mieux, je pense. Il y a eu des moments où ça a été compliqué, j'ai pas trop pu faire exactement ce que je voulais, donc voilà. Bon, le résultat me satisfait plutôt. Et donc on va tout de suite commencer. Voilà, donc l'extérieur est un petit peu moins travaillé que l'intérieur parce que j'avais envie de vite le finir, et surtout c'est que je trouvais que je pouvais pas trop faire mieux, étant donné que j'avais plus de pièces pour faire des détails de plaquettes comme ça. Donc là on a une poubelle, là on a un banc avec Emmett qui mange sa glace. Là, quelques détails, quelques peu que j'ai pu avoir. Ici, donc quelqu'un sur un vélo. Ici, on a quelqu'un qui a un sac dans la main, donc qui rentre chez elle. Des gens qui marchent un peu partout. Là, on a moi avec une... Enfin, moi. Légophone avec une glace, parce que ce personnage n'est pas vraiment censé me présenter. Ici, un skater. Comme ça, attendez. Voilà. Ici, on a Lisa qui joue du saxophone et un Mexicain... qui la félicite. Ici on a un arbre, un grand arbre que je trouve assez beau quand même. Ici on a un officier de police, enfin un policier. Ici on a quelqu'un qui se balade encore avec une raquette de tennis. Là on a un guitariste qui joue et donc il y a une pièce dans sa casquette et quelqu'un vient mettre une autre. Voilà. Là-bas on a un petit endroit sympa, je trouve. Voilà, comme ça là on peut voir aussi une vitre. Un petit endroit sympa. Ici, quelqu'un qui doit s'occuper de nettoyer les lieux. Donc, il a un visage pas très content. Voilà. Ici, un enfant. Là-bas, on a Frankenstein avec une glace. Là, je l'ai déjà dit, ça. Ici, on a des tables. Quelqu'un qui mange sa pizza. L'autre qui vient de lui servir. Ici, on a deux portes vitrées. Une vitrine là, une autre là-bas. Ici on a deux portes vitrées, une vitrine et une autre là-bas. Voilà, bon, j'aime bien tout ce qui est symétrique. Hein. Du coup, je vais vous mettre ici. Excusez-moi pour le bruit. Et je vais enlever les toits. Donc les toits, comme vous pouvez voir, j'ai galéré. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai galéré parce que j'avais pas assez de plaques, tout simplement. Et donc voilà, le résultat est chaud. Enfin, c'était compliqué. Donc ici on a la vitrine qu'on peut voir là. Après on a des pantalons là avec des vêtements. Ici la caissière. Ici une petite affiche là-bas à la caisse. Des vêtements. Là des vêtements encore. Une autre affiche. Et là on a une petite touche d'humour. Donc c'est quelqu'un qui a un vêtement dans la main qui a ouvert la cabine d'essayage alors qu'il y avait quelqu'un dedans. Voilà. Bon, c'est très drôle. En bref, ici on a un petit porte-manteau et son vêtement. Enfin, les vêtements qu'elle essaye. Après, ici, on a donc quelqu'un qui boit son café avec son croissant. Donc, vous imaginez peut-être que c'est le matin. Donc, on a le sol. Ici, on a une machine à boisson. Là-bas, une machine à café. Là, quelqu'un qui donne du pain à lui. Et là-bas, on a quelqu'un qui est dégoûté parce qu'il ne peut pas s'acheter le croissant qui est dans la petite vitrine. Voilà, donc là après on passe et on arrive dans l'allée principale du centre commercial. Alors attendez, je vais tourner. Voilà, j'ai pété un truc. Alors attendez. Voilà, c'est bon. Ici on a une petite, pas une banderole, mais un truc des mêmes couleurs que ce petit endroit. Là on a celui qui fait chérie, où est mon pantalon? Enfin bref, qui prend... Enfin, la machine à soda ou machine à barre glacée, je sais pas, on s'en fout. Ici des muffins, des cônes pour des cornets de glace. Ici quelqu'un qui fait une glace à la petite fille et la grand-mère, enfin la grand-mère, la mère qui est pas très contente. Ici un sucre d'orge, des bandes vertes, donc les deux portes. Ici on arrive dans un petit endroit où ils vendent des trucs, des choses informatiques, tout ça. Donc ici il y a écrit The Eiffel Tower, donc la tour Eiffel. Et donc il se dit que c'est le nom du magasin. Voilà. Le noir est disproportionné par rapport au gris volontairement. Ici, on a quelqu'un qui va sûrement acheter quelque chose. Un portable, enfin des objets, voilà. Ici, le vendeur.
Et on peut voir aussi un ordinateur portable ici et une télé. Voilà. Donc alors, c'est compliqué de tourner. Voilà. On arrive ici avec une pharmacie, quelqu'un qui vient chercher ses médicaments. Dérangement. Ici, une pharmacie, une bac qui range. Ici, un ordinateur, une pendule, une horloge, une affiche, un pharmacien, voilà. Ici, une presse, comme ça. Ici, c'est pour faire des paris. Voilà. Le loto, des paris sportifs, tout ça, quelqu'un qui va acheter. Voilà. Et je crois que ça va être tout pour ce mug bien sympa, je trouve. Donc merci de l'avoir regardé. Oula, attendez. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker si vous avez aimé. Voilà.